c'est moi, pas... j'aime le chaud. Ça me rappelle les caries. Pour comprendre l'effet de serre... Oh, oui. Pour comprendre l'effet de serre, expliquons ce qu'est l'air. Oui. L'atmosphère. Oui. Un gaz. Oui. Et un rayon de lumière. Oui. Voilà, voilà, voilà. Parfait. Le bouchon est au fond de l'eau. Mais maintenant, qu'y a-t-il dans le gobelet? De l'eau ou de l'air? De l'air. Exactement. Incline un tout petit peu le gobelet. Ceci est... De l'air. Ceci est... L'atmosphère. La petite laine de la terre. Tu vas tenter, quand je te le dirai, de soulever la feuille avec tout l'air qu'il y a dessus. Lentement. La nuit, sur la lune, il fait très froid, jusqu'à moins 170 degrés. C'est bien plus froid qu'un énorme congélateur. Alors que sur Terre, il fait en moyenne 8 degrés. Eh bien, bravo, on peut les applaudir. Merci beaucoup. D'ailleurs, c'est embêtant, surtout lorsqu'il y a beaucoup de vent. Ça me décoiffe et ça m'assèche la peau. L'atmosphère, l'atmosphère. Est-ce que j'ai une tête d'atmosphère? Eh bien, pas sur la lune. Il n'y a pas d'atmosphère et ça nous fera des vacances. Waouh, ça doit être tendance. Waouh. Je vais tout de suite faire mes bagages. J'ai besoin de l'incroyable infrarouge. De la délicieuse lumière visible.